Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro, et cette fois-ci, on va s'intéresser là tout de suite à un autre jeu de la Sega Master System, à savoir WWF WrestleMania Steel Cage Challenge. Un jeu, et bien évidemment, qui comprend bien évidemment d'anciens, comment dirais-je, jeux de la licence WWE, qui s'appelle autrefois la WWF, la World Wrestling Federation. Et là, visiblement, il y a pas mal de choix à faire. Il y a vraiment du choix à faire. Attendez. One Tag Team, US Championship. Bon, allez, Mano y Mano. Allez, attendez, on va mettre sur Easy, juste histoire de voir ce que je. Attendez, on va essayer on va voir ce que ça donne si j'utilise celui-là. Alors, vous avez toutes sortes de catcheurs. Vous avez le légendaire Hulk Hogan. Alors, le jeu est sorti aux alentours de des années fin 80, début 90 sur Sega Master System. Alors, là, vous avez The Undertaker. Pardon, Hulk Hogan. Là, c'est The Undertaker. Tatanka. Ted DiBiase. Randy Savage. Bret Hart. Shawn Michaels. Papa Chango. Irvin Shyster. Ric Flair. Et c'est tout, voilà. Bon, écoutez, on va prendre par quatre chemins. On va regarder celui-là. Oh, super! Et on va affronter Shawn Michaels. Yeah! Bon, écoutez, là, on s'en fout du reste. Bon, alors, attendez. Attention, attention, parce que là, pour l'instant, là, ça démarre au quart de tour. Parce que là, je suis en train mais de marver Shawn Michaels. À moins que ça doive être quasiment le contraire. Oh, attention, attention, attention. Oh là! D'ailleurs, Shawn Michaels et Bret Hart sont souvent affrontés. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était au Survivor Series 1987, qui a notamment l'affaire du Montréal Screwjob, c'est-à-dire le coup foireux de Montréal. Oh, attention! Oh! Oh là, oh là, oh là! Attention! Tombé! Oh là, attention! Allez, attention, attention, parce que. Oh, bon, les contrôles sont vraiment pas terribles, je vais pas vous mentir. Attention! Oh, allez, oh, c'est toi et moi, Sean. Allez. Voilà, Bret Hart. Oui, je suis Bret Hart. Hein, et j'affronte le Heartbreaker Shawn Michaels. Yeah. Bon, les graphismes de ce jeu sont pas très. Oh, attention! Ah mince, il m'a fait tomber. Et j'ai perdu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh ben, victoire de Shawn Michaels. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, non, pardon, j'ai rien dit. J'ai cru que j'allais faire un. Attendez, voilà ce qu'on peut faire. Alors, il y a toutes sortes de modes. Vous avez. Ah oui, la tag team, ouais. On peut faire des tag team, enfin des matchs par équipe. Ah oui, un titre pour WWF. Ouais, c'est bien. Attends, on va mettre. Vous voyez, voilà. Allez, on va mettre un steel cage match, comment dire, un match en cage. Et on va prendre. Allez. Papa Chango, oh super, on va affronter Bret Hart. D'accord, bon, ok. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que c'est la revanche de Bret Hart. Alors, si je me souviens, Ah non, même pas. Je crois que dans les Steel Cage Match, il faut sortir ou faire un tombé. Allez. Et. Mais faut dire que les contrôles de ce jeu sont vraiment pas simples. C'est ça qui est assez ennuyant dans ce jeu. Les contrôles de ce jeu sont vraiment pas simples. Ouh, bien joué. Oh, attention! Voilà, voilà. Et c'est à tomber. Et bah, victoire de Bret Hart sur Papa Chango. Bon, c'était vite net et sans bavure, si je puis dire. Bon, écoutez, on va prendre un autre. On va faire un autre match. Ok, puisqu'on en est là. Ok, on va mettre un match régulier. Alors, attendez. Bon, allez, voilà. Oh, super, on va affronter Shawn Michaels. Alors, j'ai pris Ric Flair. Et un autre. Et là, on va assister à ce qu'on peut appeler mais une sorte de match avant l'heure entre Ric Flair et Shawn Michaels. D'ailleurs, Shawn Michaels et Ric Flair sont déjà affrontés. Dans un WrestleMania, mais je sais plus lequel. Je sais plus si c'était. Non, non, je crois que c'était WrestleMania. Je sais plus. C'était un WrestleMania, mais je me souviens plus. Mais bon, pas grave. Ouh! Ouh! Allez! Attention! Un tombé! Non, dégagement!
The Red Farm. Allez, yeah. Oula. Allez. Ah, j'essaie tant bien que mal, mais de... Oh, c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Je n'arrive pas, comment dirais-je, à faire à tomber. J'arrive pas à... Comment dirais-je, à... Attention, oula! Oula! Ah mince, il m'a fait tomber! Mais attention, parce que le Ric Flair, je le connais, il a de la ressource. Lui qui a souvent affronté Hulk Hogan. Attendez, est-ce que on peut faire à tomber, hein? Je sais plus si on peut faire à tomber. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Attendez. J'essaie de faire un tombé, mais c'est pas facile. Attends. Allez. Ah mince, mince, pardon. Mais fais un tombé, qu'est-ce que t'attends? Oh, le jeu est énervant, sérieux. Le jeu est énervant. C'est, on n'arrive pas, comment dirais-je, à. Attendez, je vais voir si je peux. Ah mince. J'essaie de faire un tombé, mais c'est impossible. C'est impossible, j'arrive pas. Je sais pas comment il faut faire. Je sais pas comment il faut faire. Bon, pas grave. Allez, attends, bon, écoute, on va lui laisser la victoire. Allez, parce que. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Victoire de Shawn Michaels sur Ric Flair. Bon. Allez, c'est pas grave, on va voir si on peut se lancer un autre match. Allez. Ouais, on met toujours sur facile. Je mets sur facile pour que ça soit moins difficile, mais même en mode facile, c'est difficile. Bon. Allez, bah tiens, on va prendre The Undertaker. Oh là! Non, mince, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va accepter un autre combat. Voici, c'est l'homme d'autre tombe, The Undertaker, opposé à Ric Flair, le Nature Boy. Voilà, attention! Est-ce que. Ah bah, il est. D'accord. Non, mais. Pff, la victoire, mais en mode facile, quoi. Mais c'était. Le mec, il m'a mis quasiment au tapis, et il est sorti vite fait à la vitesse de l'éclair. Non mais pff. Bon, écoutez, le jeu franchement il est pas simple. Franchement il est pas simple du tout. Franchement je l'aime pas du tout. C'est franchement c'est il est pas bien. Je le trouve pas bien ce jeu. Je sais pas pourquoi. Bon écoutez c'est pas grave. Au moins j'aurai le privilège de le tester. Voilà donc j'espère que ça vous a plu. C'était donc WWF WrestleMania Steel Cage Challenge sorti aux alentours des années 80-90 sur Sega Master System. Attention j'ai dit bien Sega Master System et non pas Sega Mega Drive. Et on se quitte là-dessus pour ce petit pour cette petite match enfin ce petit combat démo entre Hulk Hogan et Bret Hart. Bon, désolé si le test était un petit peu trop court, mais bon, le jeu, franchement, il est loin d'être fameux. Hein, mais bon, je me comprends. Allez, bon, j'espère que ça vous a plu. C'est lui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour le prochain test, ainsi que de prochains combats. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à toi.